en a une, mais figurez-vous, maintenant, j'en ai un tiroir plein de lettres dont je me suis juré que je ne les jetterai pas et que plus tard, je les relirai. Or, on est arrivé, je suis arrivée au moment du plus tard et je n'ai pas du tout envie de les relire. Et pire, je ne sais même plus qui me les a envoyées. Alors, je crois qu'un jour... avant que ma fille connaisse ce tiroir, je jetterai son contenu. Si Alfred de Musset avait été de mon époque, j'aurais bien aimé qu'il m'écrive, et en vers de préférence, car j'ai un petit béguin, un gros béguin pour Alfred de Musset. C'est drôle que vous me posiez cette question, étant donné que j'ai écrit un livre qui s'intitule « Les lettres que je n'ai pas écrites ». Et c'est vrai, je pense souvent à écrire des choses à certaines personnes pour leur dire le fond ou de mon cœur ou simplement de ma tête. Et puis, je ne les écris pas. Non, les lettres que j'ai écrites sont à mes parents. Et j'ai écrit aussi un livre pour mon père. Et voilà, mais ce sont des lettres familiales. Ce ne sont pas des lettres d'amour, si c'est ça votre arrière-pensée.